Au sommaire de cette édition, le président Alassane Ouattara a, dans son allocution télévisée de veille du Nouvel An, appelé ce jeudi à intensifier les efforts pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. En pleine offensive, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a conclu l'année avec l'inauguration ce jeudi d'ouvrages urbains à Kinshasa. Et puis Angela Merkel s'est adressée à ses compatriotes à l'orée de cette nouvelle année. Elle a affirmé que le vaccin contre la COVID-19 apporte de l'espoir. Mais il faudra continuer à gérer la crise du coronavirus en 2021. C'est un plaisir de vous retrouver en ce premier jour de l'an 2021 à toutes et à tous. Bienvenue. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et plusieurs autres personnes par le procureur de Bamako dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs figures de la société malienne avaient été arrêtées le 21 décembre dernier pour des soupçons de complot en vue de fomenter un coup d'État. Boubou Cissé, toujours introuvable selon le procureur, n'est pas incarcéré ce soir, contrairement aux autres inculpés, l'artiste et chroniqueur radio Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbaf, de Vital Robert Diop, directeur général de la société PMU Mali, Aguibou Makital, président de l'AGFO, l'agence de gestion du fonds d'accès universel, et Souleymane Kansaye. Toutes ces personnes avaient été arrêtées dès le 21 décembre dernier en compagnie du secrétaire général de la présidence, Sékou Touré. Mais le cas de ce dernier sera traité par la Cour suprême en raison de son statut de magistrat et de son rang de ministre, précise le communiqué. Le procureur a également affirmé que toutes ces personnalités ont eu des contacts et des déplacements suspects à l'intérieur du pays. Le parquet accuse les inculpés d'actes de sabotage contre certaines initiatives des autorités de la transition, mais sans pour autant fournir plus d'éléments. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a appelé ce jeudi à intensifier les efforts pour la réconciliation dans le pays. Il a lancé cet appel dans son allocution télévisée de veille du Nouvel An. Se félicitons de la qualité du dialogue politique lancé depuis le 21 décembre avec l'opposition et la société civile pour décrisper le climat politique, des pourparlers étant aussi menés en coulisses. Le président ivoirien s'est dit confiant qu'avec l'implication de tous, ce grand chantier de la réconciliation sera conduit avec succès. Il faut intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. Nous avons tous la responsabilité de préserver la paix, de bannir la violence et d'unir nos forces pour la construction d'une nation apaisée, a plaidé Alassane Ouattara dans son allocution télévisée de veille du Nouvel An. Tout en se félicitant de la libération conditionnelle de certains responsables de l'opposition arrêtés après l'élection, le président Ouattara a fait passer un message de fermeté, soulignant que la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur dans le cadre des enquêtes sur les violences électorales qui ont fait 87 morts et près d'un demi-millier de blessés. Plusieurs responsables de l'opposition sont aussi poursuivis par la justice pour avoir proclamé un régime de transition finalement abandonné. Le chef de l'État ivoirien a indiqué avoir signé un décret de grâce présidentiel pour environ 2000 personnes condamnées pour des infractions mineures, sans préciser s'il s'agissait d'infractions liées aux violences électorales. Plus tôt dans l'après-midi, le principal opposant ivoirien, l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédier, a lui aussi renouvelé son appel au dialogue politique. Dans son propre message de vœux télévisé, il refuse toujours de reconnaître la réélection du président Alassane Ouattara. En Guinée, l'opposant Sidya Touré, qui avait boycotté la présidentielle d'octobre 2020, a appelé à un dialogue national. Dans un communiqué, son parti, l'Union des forces républicaines, a invité le président Alpha Condé à initier un dialogue avec les Guinéens et notamment les partis politiques.
Pour Sidya Touré, il s'agit à ce jour de la seule issue possible pour résoudre la crise que traverse la Guinée. L'Union des forces républicaines UFR part d'un constat. La décision de la Cour constitutionnelle est un fait acté, lit-on dans une déclaration publiée ce mercredi. C'est une manière implicite de reconnaître le verdict des urnes d'un scrutin jusque-là vivement contesté et que l'UFR a boycotté. L'UFR prône désormais un dialogue national. C'est un appel à la concertation pour qu'au moins le travail recommence et que les Guinéens puissent voir le bénéfice de tous ces débats politiques qui n'en finissent pas, a déclaré Sidya Touré, président de l'UFR. On reste en Guinée où Sélou Dalein Diallo serait empêché d'effectuer un voyage mercredi dernier. À en croire certains messages relayés par ses proches, l'opposant entendait se rendre au Mali pour les obsèques de Soumaïla Cissé. Sélou Dalein Diallo entendait s'envoler mercredi soir pour Bamako via le Sénégal afin de prendre part à l'inhumation prévue vendredi de l'opposant malien Soumaïla Cissé, décédé de Covid-19, a-t-il rapporté dans un message relayé par ses collaborateurs. Les employés au comptoir d'Air Sénégal ont signifié à l'un de ses collaborateurs, puis à Diallo lui-même, que, sur instruction du commissaire de l'aéroport, la compagnie n'était pas autorisée à faire les formalités, a-t-il affirmé. Les efforts de l'opposant guinéen pour voir le responsable de la police avant la fermeture de l'enregistrement sont restés vains, a-t-il ajouté. Le ministère de la Sécurité n'a pas répondu aux sollicitations de l'agence France Presse. Une proche collaboratrice de Sélou Dalein Diallo, Nadia Nahman notamment, a souligné qu'aucune interdiction de quitter le territoire ne lui avait été signifiée officiellement préalablement à son voyage. Mais c'est désormais une jurisprudence qu'ont eu à connaître d'autres opposants, a-t-elle relevé. Sélou Dalein Diallo a parlé d'actes arbitraires. Il a indiqué qu'il figurait sur la liste des amis qui devaient prendre la parole aux obsèques de Soumaïla Cissé. Sélou Dalein Diallo était le principal challenger de Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée. La victoire du président sortant proclamé est contestée par l'opposant qui revendique d'être plutôt le vainqueur et dénonce des fraudes. Quatre cadres du parti de Sélou Dalein Diallo arrêtés en novembre en même temps qu'un autre opposant pour implication présumée dans la violence autour de la présidentielle sont toujours détenus. Mercredi, le parquet a requis 5 ans de prison contre 2 autres opposants accusés d'avoir appelé à l'insurrection pour empêcher la réélection de Alpha Condé. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a conclu l'année avec l'inauguration d'un pont routier à Kinshasa, symbole de sa politique de grands travaux minés par la corruption dans une capitale plus que jamais engorgée par les embouteillages. On vient d'inaugurer le méga structure qui avait été érigée sur les principales artères de la ville de Kinshasa dans l'objectif de pouvoir décongestionner la circulation routière dans cette mégalopole. Comme on le sait, avec la croissance démographique, et Kinshasa a de sérieux problèmes. Voilà pourquoi dans le cadre du programme des 100 jours, le président de la République avait pris l'initiative de pouvoir ériger ces infrastructures qui ont été inaugurées aujourd'hui. Effectivement, avec la restriction de mouvement à partir de 21h, la population qui avait d'énormes difficultés pour devoir rentrer avant l'heure du couvre-feu pourra circuler librement et ça va effectivement contribuer à la décongestion du transport. On répond vraiment à nos attentes dans le sens où petit à petit Kinshasa est en train de se désengorger et d'où notre choix aujourd'hui. Et comme on vient d'inaugurer, c'est une grande joie puisque nous allons vraiment fêter dans la joie et il n'y aura pas vraiment de bouchons. Voilà. Pour finir cette édition, le vaccin contre la COVID-19 apporte de l'espoir, mais il faudra continuer à gérer la crise du coronavirus en 2021. C'est l'un des regrets de la chancelière allemande. Angela Merkel s'est adressée à ses compatriotes à l'orée de cette nouvelle année. Longtemps considérée comme une bonne élève européenne de la gestion de l'épidémie, l'Allemagne a été frappée de plein fouet par la deuxième vague du coronavirus et a dû décréter un nouveau confinement partiel au moins jusqu'au 10 janvier. Dans son adresse du nouvel an, la chancelière pense à ce que le virus a emporté. Je ne peux qu'imaginer l'amertume ressentie par ceux qui portent le deuil d'un être cher,
à cause du coronavirus ou ceux qui continuent à souffrir de séquelles quand l'existence du virus est contestée ou niée par certains. Les théories du complot ne sont pas seulement fausses et dangereuses, elles sont aussi cyniques et cruelles envers ces personnes. Sie sind auch zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber. Un an après l'apparition du virus, les populations ont commencé par être vaccinées. C'est une lueur d'espoir qui ne fait cependant pas perdre de vue la réalité. Depuis quelques jours, l'espoir a un visage, celui des premiers vaccinés, des personnes très âgées et de leurs soignants, du personnel médical, des unités de soins intensifs, non seulement dans notre pays, mais dans tous les pays européens et dans bien d'autres encore. Chaque jour, ils seront plus nombreux et, peu à peu, d'autres groupes d'âge et d'autres professions les rejoindront et ensuite tous ceux qui le souhaitent. Moi aussi, je me ferai vacciner quand ce sera mon tour. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Ces jours et ces semaines sont des temps difficiles pour notre pays et cela va durer encore un bon moment. Il nous appartiendra à tous, pendant un certain temps encore, de déterminer comment nous allons traverser cette pandémie. L'hiver est et reste difficile. Wie wir durch diese Pandemie kommen. Der Winter ist und bleibt hart. Un discours historique pour Angela Merkel. C'est sa dernière adresse du Nouvel An en tant que chancelière, a-t-elle fait savoir. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas persönlich. Permettez-moi de conclure sur une note personnelle. Dans 9 mois, il y aura des élections générales auxquelles je ne me présenterai pas. C'est donc très probablement la dernière fois que je pourrai vous adresser des vœux de nouvel an en tant que chancelière. Je ne pense pas exagérer en disant que jamais au cours des 15 dernières années, nous n'avons tous trouvé l'année passée si difficile et jamais nous n'avons, malgré les inquiétudes et un certain scepticisme, eu autant hâte d'entrer dans une nouvelle année. Mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Heureuse année à tous en compagnie des programmes de SICA TV.